Tournez retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 93, le 9-3 de Red Dead 2, le meilleur jeu, avec Arthur Morgan, le meilleur personnage. Ok, du coup, entre temps, j'ai pu mettre les points qui me manquaient. Et je pense qu'on va faire un de haut en bas, hein. Je vais d'abord aller tout en haut, puis ensuite on descendra. Hein. Ah ouais, les 100, c'est sûr qu'on va les faire. Hein. C'est acté là maintenant. C'est la fin QQ. Bon, en vrai, elle est sympa, hein. Toutes les fins dans le style que tu as faites, enfin, je dis toutes. En vérité, des fins, il y en a quoi? Il y en a 4 ou 5, je crois. Elles sont toutes bien, en vrai, les fins, mais c'est vrai que je trouve que, personnellement, ma fin, elle est plus stylée. Après, c'est la vie perso, hein. Il vient de s'afficher là. Ah ouais. Pourquoi j'ai apporté plein de contre le studio? Il est pas bien celui-là. Ah ouais. Tu vas réclamer des thunes, hein. T'as raison, non mais t'as raison. Bon après c'est pas vraiment le même accent mais toi t'es normand, lui il est totalement écossais avec son accent écossais de ouf. D'ailleurs t'as joué en VF ou en VO? Ce qui est bien avec ce jeu là c'est que tu peux switcher quand tu veux. Je crois qu'Antolisso aussi a joué en VF, je sais plus du tout. Et moi j'avais pu tester la VF il y a très longtemps. Quand je l'avais testé avant qu'il sorte là. Mais j'avoue que préférence pour la VO parce que t'as les accents des personnages quoi. Sinon la VF reste très propre, hein, mais tu perds l'accent écossais de du ralou, que ça fait bizarre. Hein. Du coup, t'as fait tous les cas de hantise ou pas? Il y a un cas de hantise au nord qui est vraiment incroyable. Je sais pas si tu vas te souvenir, mais le cas de hantise avec... tu sais, le campement qu'il y a tout au nord, là. Il y a un couple avec un gars qui a un nom limite, on dirait Sylvester Stallone, là. Il y a juste des coffres que je devais trouver la clé. Ah ouais, ça c'est relou. Ces trucs-là, je les ai pas finis. Mais genre, il y a un cas de hantise qui est vraiment excellent au nord. C'est un couple, tu sais, le mari qui a un peu un nom en mode Stallone, il meurt pas, enfin il est pas mort, c'est sa femme qui est morte, mais genre son fantôme, il est ultra particulier. Et il y a vraiment un sacré délire sur ce cas d'hantise, tu sais, dans l'espèce de maison où il y a une grotte en bas avec un passage pour aller de l'autre côté. Ouais, l'espèce de manoir, là. Ce cadre de hantise, là, avec le fantôme qui est possédé par un autre truc qu'il y a dans...
dans le truc de démon là. Incroyable. J'ai vraiment kiffé ce cadence. Je pense que c'est un de mes préférés. Avec aussi la vieille dame au sud là qui voyage dans le temps là. Enfin, son fantôme voyage dans le temps là. Incroyable aussi celle-là. Il y a vraiment des cas de dentiste très très sympas. Hein. Limite meilleur que des cas de dentiste dans le dans l'émission principale. C'est ouf. Hein. Je pense, j'espère qu'il aura un petit award quand même. Il mérite. Un petit truc. Histoire de motiver Dontnod à faire une suite. Et d'aller un peu plus loin là dans leur gameplay. C'est vrai que Dontnod, Seigneur, tu regardes Banisher et Vampire, il y a des trucs qui sont restés quand même. Des trucs qui n'ont pas trop évolué. C'est dommage. Ça mériterait un gros budget à la triple A pour faire vraiment une giga dinguerie. Bah, le gameplay, bah, ça, je l'ai plutôt bien aimé, mais c'est vraiment dans les détails où ça pêche un peu, quoi. Genre, y a des situations dans le jeu où, par exemple, enfin, ça arrive souvent que la musique de fond soit en mode repeat. Genre, il n'y a pas de fondu, tu vois. Là, les musiques dans Red Dead 2, tu sens pas vraiment la transition entre les musiques. C'est fluide, tu vois. Alors que dans Banisher, t'as vraiment l'impression qu'il y a un mec, bah, il a coupé la musique et il l'a remise. Tu vois, ça fait très bizarre. Les sous-titres aussi, ils sont dégueulasses. Bon, ça m'a pas totalement fait sortir du jeu, hein, ces trucs-là, hein, mais c'est des petits détails que je remarque et qui sont améliorables, quoi. Genre, vraiment, les sous-titres, c'est un truc. Dans Vampire, ils sont pareils. Là, pour Banisher, ils sont pareils. Ils sont affreux, leurs sous-titres. Leurs sous-titres, c'est un carré. C'est un carré en bas au milieu. Les phrases, elles sont cassées. C'est horrible. Vraiment, ils sont vraiment teubés. Je comprends pas. Après, donc, Dontnod, c'est allemand de base. Donc, peut-être que. Peut-être que les sous-titres allemands, ça passe bien dans leur carré. Mais nous, en français, en tout cas, ça coupe les phrases. C'est horrible. Encore une fois, c'est un petit détail. Hein. C'est rien, ça. C'est pas ultra giga important, mais. Ouais, Dontnod, c'est une boîte dev allemande. Ah non, je confonds avec. Je suis un ouf. Je confonds avec Atlas Fallen. Bah du coup c'est d'autant plus bizarre alors. Seigneur, j'ai confondu avec Atlas Fallen, je sais plus c'est quoi là. Ah oui c'est Deck je sais plus quoi Atlas Fallen qui est allemand là. Totalement confondu. Et du coup c'est encore pire parce que du coup c'est une boîte allemande, c'est une boîte française pardon, mais ils charcutent leurs sous-titres. C'est une dinguerie. Ouais, c'est ça. Ouais. Atlas Fallen, c'est Deck 12, un truc comme ça, je crois. Et ceux qui sont allemands.
totalement confondu. Mais du coup, donc Node. Ah, ils ont pas prêté attention à ça. Ça fait quand même plusieurs jeux qui font comme ça. Hein. Vampire, j'ai regardé des gameplays, c'était pareil. Hein. Leurs sous-titres, ils sont dégueulasses, ils sont charcutés. C'est horrible. Comment on peut faire ça? Je comprends pas. Faites des grandes lignes? Je sais pas moi. Que les sous-titres soient normaux. C'est quand même bizarre. Hein. Alors des sous-titres pas normaux comme ça là. Parce que c'est pas qu'ils font pas attention, c'est voulu hein, et c'est dégueulasse. Merde. Ça a l'air d'être en haut. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, en gros, ouais, ça fait comme un... Ah, merde. Ça fait comme un carré, en fait. Comment est-ce que je pourrais te faire montrer ça bizarre. Hein. Comment je peux faire pour monter là-haut, là aussi? Je suis niqué. En gros, je sais pas, moi, tu vois, les sous-titres normaux dans les jeux, même dans les films, ils sont vraiment en longueur. Là, comme tu dis, ouais, c'est vraiment pas étiré, ça fait vraiment un carré au milieu, en fait. C'est un rectangle, mais c'est un tout petit rectangle qui fait limite carré. Et du coup, ça charcute les mots, c'est horrible. Ça charcute les phrases. Comment est-ce que je peux faire pour monter? Ok. Avance. Et du coup, ouais, ce truc-là, ils l'ont depuis longtemps. Je sais pas si c'est pareil sur Life is Strange, etc. Mais vraiment, en tout cas, entre Vampire et Banisher, c'est vraiment un souci. Hein. Ouais, bah du coup, ça, ils ont pas reproduit ce truc avec les Life is Strange après. Je sais pas, peut-être que Vampire est sorti après les Life is Strange, c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être qu'ils ont changé la façon de faire leurs sous-titres que sur leur dernier jeu. Mais en tout cas, ça fait vraiment dégueulasse. Du coup, ça joue dans les détails. Peut-être aussi améliorer le gameplay, la façon d'améliorer les personnages et tout. Il y a des trucs à faire à ce niveau-là dans le jeu. En tout cas, au niveau de l'histoire, de la narration, franchement, c'est largement au niveau. C'est vraiment pas ça qu'il faut changer. Comme tu disais, c'est vraiment au niveau du gameplay. Hein. Et surtout au niveau des détails, je trouve, perso. Pour le reste, ça va large. En tout cas, la narration, il n'y a rien à dire. Peut-être remplir un peu plus la map aussi, parce que c'est vrai que... En dehors des cas de hantise et des missions principales, t'as que des collectibles, en fait. Hein. Le truc, c'est que dans le jeu, il n'y a pas de mission secondaire, en fait. Les cas de hantise sont des missions secondaires. En dehors de ce qui est lié à la mission principale, les cas de hantise, c'est vraiment des missions secondaires. Mais limite, ça fait partie intégrante de l'histoire. Donc,
Ça fait pas non plus vraiment second rire, quoi. C'est un peu... c'est particulier. Oulala, dans quoi est-ce que je m'embarque, moi? Putain, on voit rien. The Walking Dead Destiny, hâte d'y retourner d'ailleurs là. On fera le platine. Failli tomber. Hein. Yep. Hâte d'y... Tout est sous contrôle. Hâte d'y retourner pour faire le platine. En plus, il n'est pas trop dur à faire. Michel, c'est à chaque fois c'est moi qui me nique chez lui, il a rien. C'est pas bon le pauvre, tranquille, c'est rien. Oh ben, un jour pour le fun, je pense. Pour le fun, histoire de faire le platine, histoire de dire ouais, le dernier jeu Walking Dead Master Clack s'est sorti, on l'a platiné. Bon, même si c'est dans 2 ans, quoi. Même si c'est dans 10 ans, quoi. Ah, la beauté. La beauté du paysage. Ça, c'est le maximum. Ah, c'est beau. Hein. Voilà, c'est beau. Incroyable. Ying.
dans le coin, j'ai quand même suivi un peu la route parce que avec les montagnes et tout là. Ah. Pourquoi il me fait faire tout ce chemin? Ah d'accord. Je pourrais y aller là en fait. Ça a l'air d'être ça. Heureusement, je suis pas le chemin. Hein. Heureusement, je m'écoute pas. Ça, merde, mais... Ok, plus que 5. Suivons le bazar. Seigneur, j'en ai marre. L'été revient, ça y est, des bestioles qui rentrent. Les bestioles font leur retour. Je suis pas pressé pour les moustiques. Hein. Ça serait bien un endroit dans le monde où il n'y a pas de moustiques. Qu'est-ce qu'il veut lui? Je te dis bonjour. Allez, va attendre. Tu me veux toi? Toi aussi t'en veux là? Salopard. C'est à côté d'eux, je leur dis bonjour. Il y en a un qui dit bonjour, l'autre qui est pas content. N'importe quoi. Oh, what the fuck? Il est dans un mur. Il est dans la montagne, carrément.
What? Ça, c'est fini. Allez, hop. Pardon, dans cette région, c'est compliqué. On a 90$. Pourquoi il me fait passer par là, lui, là, encore une fois? Eh ouais, je vais passer par là, là, me casse pas les couilles. Oh, mais il y a un gars qui pêche. Tranquille. Ah merde, j'ai aucune notion de temps. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Garde son maître. Et tu vas te manger une balle entre les deux yeux si tu continues. Qu'est-ce que tu veux, putain? Oui. Hello, boy. Tranquille. Hey, boy. Alors. Hey, boy. Come here. Ça vient. You okay, boy? Hey, boy. Come here. Alors. Vous avez perdu du temps, lui. Un collègue. Hey there, partner. Morning. Et ouais, il me fait prendre un chemin de l'autre côté alors que c'est par là. Suivre l'espèce de GPS là. Moi je dis c'est mieux d'aller tout droit quand on peut. Parce qu'en plus on rentre dans des espèces de forêts, dans des endroits auxquels on n'irait pas si on suivrait bêtement le chemin. J'aime bien. Je m'en vais. Deuxième tentative pour le couteau de lancer. S'en fournir un rhum dans la gueule. Il a pas l'air bien fier. Ça passe comme dans Assassin's Creed. Non, qu'est-ce que j'ai fait?
con quoi? Ah bon, abruti. Bon, attends-moi là, toi. Ok. C'est quoi ça? Gisant. Brigand, ok. On a foutu quoi. Putain, je me demande si la boîte de conserve que j'ai mangée, ça compte. Pas du tout. On est toujours à 2 sur 4. Combien en plus? Puis il y en a 3 pile poil. J'ai réussi mon défi. Tuer 3 oiseaux de proie en utilisant que le tomahawk. Eh merde, c'est bien. J'ai esquivé les tirs. Je vais quand même au charbon. Seigneur. J'ai pris quand même Cheros. Déjà. Mais tiens là, toi. Ok, mais ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à aller au Pwing. Oh, des gens ici. Calme-toi. Calme-toi, garçon.
You look kind of stuck up, partner. Down's ranch looks after their own. Remember that. Ouais, ouais, ouais. Ça a l'air d'être en bas. C'est quoi ce truc? C'est qu'une pierre. Et peut-être dans le mur encore une fois. Ouais. Celui-là, on peut le retirer. Et le prochain. Je pense qu'on va aller faire celui-là. Ça, je ferai ça. 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 Into Strawberry. Vas-y, descends, mon chef. Par là même où je suis passé, messieurs. Vous êtes où? Ah, voilà. Hey, boy. Yeah. Tellement primé ici. Hey, mister. Easy, whoa. C'est pas vrai. Je la passe la détaille, la fait couler la vie, ça fait regrette quand on bébé. Merci le ralou pour le subsif sur Damien, incroyable. Même moi c'est central. Et merci bien. Je recherche un billet des affaires pétant dans la porte un peu gros pénis. Je fais un bisou à mes cafards dans la carte, tu sais ce que t'as retenu. Merci pour le soutien, Moralou, ça fait plaisir. Ralou est au-dessus, bien sûr. Ah ouais. Pourquoi tu dis ça à Damien? C'est pas gentil. Ah d'accord. Ok, comme ça quoi. Alors comment que je vais faire là? Easy now.
pour le AC. Assez culotté d'ailleurs, celui-là. Merde. Assez lélé. Ah, élé. Excellent. T'as vu, il charbonne, il ressort les vidéos là, ça y est alors. Acerred va bientôt arriver, donc voilà, il s'y a mis. Hein. Ça, c'est une vraie question que je lui poserais, tiens. Si Acerred n'allait pas sortir bientôt, s'il n'allait pas y avoir de nouvelles infos bientôt, est-ce qu'il aurait sorti une vidéo? C'est... Je me demande, je me pose la question. Je suis totalement coincé là. Il est censé être là le bazar. Ah. Ça ressemblait à quelque chose. Oh, ouais. Ah tiens, du coup, Monsieur Damien, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de du Kylian Mbappé là? Est-ce que vous pensez réellement qu'il va aller au Real Madrid aussi? Parce qu'on ne sait pas, hein, en vérité. On ne sait pas s'il va aller là-bas. En vrai de vrai. Est-ce que vous êtes vraiment sûr et persuadé qu'il ira là-bas, le type? Ah ouais, enfin, quoi. Ah, mais il y a une grotte. Oh. Incroyable. Putain, c'est vraiment une grotte, j'y croyais pas trop. Hein. Excellent. Bon, après, c'est parce que c'est son club de cœur qu'ils ont accepté, quoi. Parce que j'ai vu pas mal de gens dire qu'ils rentraient pas forcément dans l'effectif. Tu sais que le Robinou, ça lui arrive d'aller au stade regarder les matchs au Havre, là, à Loup. Il n'y a pas si longtemps, il y a été. Hein. Il a été voir un match, c'était son frère ou je sais plus qui devait y aller, mais qui pouvait pas, il y a été. Incroyable. Ah, le président le veut, ah, d'accord. Bah, s'il le veut, il l'aura. Bah, je sais pas si c'est au dernier match qu'il y a été, mais en tout cas, ça lui arrive d'y aller. Ça se trouve, vous vous croisez et vous faites même pas gaffe. Okay, fella. Ça, il était sympa là, caché dans la grotte. Ralou l'ultra. Tu trouves, Damien?
Oh, moi je trouve que c'est une bonne chose hein, que le Qatar soit là au PSG. Ils ont le budget, ils ont des gros joueurs, c'est juste qu'il faut, faut une vraie tête, en tant qu'entraîneur qui dise vraiment. Enfin, qui fasse vraiment ce qu'il a envie de faire quoi. Parce que je sais pas si les entraîneurs du PSG ils ont vraiment le droit de faire ce qu'ils veulent faire, vraiment faire quoi. Je suis pas convaincu. Oh merde! Je crois que j'étais déjà revenu ici après les histoires. Je crois que j'étais déjà venu lui rendre visite alors qu'elle était déjà totalement Guillaume. Elle est sûrement encore là en train de pourrir. On peut quand même encore la relooter quoi. Ah non, du coup j'ai vraiment pas. J'étais jamais venu lui rendre visite après. Inspectons le cadavre. Oh la vieille. Vous avez toujours une photo. Les pauvres, les Dalton là, je les ai pas fusillés, tu sais. Est-ce qu'on peut retourner en bas? Ah oui, on peut retourner en bas, nice. Mais j'étais persuadé d'avoir déjà repris ce truc là. Pourquoi je suis persuadé d'avoir déjà pris ce bazar? Je suis sûr d'avoir déjà pris ce truc là ici, c'est bizarre. Ah, tu veux dire dans ce sens-là, là? En vrai, moi, je comprends pas trop les gens qui sont comme ça. Après, c'est... c'est les rivalités entre clubs et tout. Malheureusement... terrible, mais c'est comme ça quoi. Une lettre. Edgar Weston Escape Jail. Shérif offre une prime de $500 pour la tête d'Ethan Watson. Edgar Watson, c'est chef de prison qu'il sort avant sa pendaison. C'est un truc à l'ancienne, non? Où est-ce que je vais pouvoir le trouver, ce type-là? Parce que je les ai tous fumés, moi, ici. Après, peut-être qu'il n'y en avait que trois que j'avais fumé ici, je sais plus. Mais je me souviens que ses fils étaient là. Et je sais plus si j'en avais fusillé trois ou juste les quatre. Enfin, les quatre ou juste trois. Ouais, c'est un album, je pense. Bon, ouais, j'espère qu'après son départ, il va y avoir une vraie équipe, quoi.
Après, c'est parce que c'est ma préférence, mais j'aimais beaucoup l'époque Zlatan. Pas le tuer tout de suite. J'ai tiré dans la tête aussi. Quel con. Merde. T'étais là, le grizzly. J'ai le seum. Je l'aurai affronté. Après, moi, je suis assez d'accord dans le sens où une équipe comme le PSG, c'est pas trop dur de c'est pas dur de gagner la Ligue 1. Hein. Mais de là. Mais le délire modérisé de toute l'Europe, je suis pas vraiment pour. Hein. Pas ça ouf. Et je pense que je suis obligé. Bon, après, je pense que c'est surtout ceux qui s'expriment beaucoup sur les réseaux qui sont comme ça. Hein. Mais il est pas normal ce cheval là. Tourne à gauche, tourne à gauche. Pourquoi tu drives sur la droite quand je te dis d'aller à gauche? Fuck, c'est ça là. Putain de merde. On aurait dit un truc qu'on fout au sol pour arrêter les badioles. Une herse. Plus qu'un os. C'est un sacré mercato. Hein. C'est sur le chemin, what the fuck.
Et du coup, vous l'avez comment votre équipe, monsieur Damien, là, pour la saison prochaine? Qui va remplacer qui? Qui va être recruté là? J'ai perdu des HP ou je rêve? Seigneur, je perds des HP. Hein. De toute façon, il en faudra quand même, hein, mais c'est vrai que. Il faut que le PSG change. Le PSG, il a changé. Le PSG, il va changer. Ouah, une putain de belle vue pour le dernier bazar. Ok, on a tout fait la team. Ouais, je pense que rien que ça, ça va changer beaucoup de choses. Juste ça, ça va libérer le club limite. Ok. Vu là où je suis, je pense que je peux aller par là, là. Full West. Et vu qu'il y a une espèce de cougar, normalement il y a un spot à cougar. Je prépare mes flèches avec mon arc. Comme ça on aurait fait un autre défi. Il y a aussi un truc au Tomahawk qu'il faut que je fasse. Ok. Un petit. J'ai le sub. Tout à l'heure j'avais un grizzly là, j'aurais pas dû lui tirer une balle dans le crâne. J'ai le sub. What the fuck c'est qui eux? Je vais juste dire bonjour quoi. C'est dingue. Calme-toi, je m'en vais. La cougar, où es-tu? Horrible, horrible quand ça fait ça. Trapper, il est là.
La cougar est censée être dans le coin là, mais bon. Il y a ce spot là de genre là, c'est horrible. Ça, je pense que ça nique le spot à cougar du coup, le fait qu'il soit là. Comment ça, beau parfaite? Quand je suis allé pour le dépecer, c'était juste en bon état, non? J'avais pas vu que c'était en parfait état. Seigneur. C'est quoi ça? Un lièvre, rien à foutre. Bon, la cougar ne veut pas apparaître. Ben, on va se barrer. Hein. Je pense qu'on va se faire une petite mission secondaire quand même pour conclure. Easy now. Histoire de... Histoire de ne pas avoir que fait les os. On va aller à Hansburg. Profitons de la vue. Les étoiles, l'espace, le temps. Ok. Il y a deux choses à faire ici. On va vraiment faire Edith. Hein. Edith Piaf. Ah bah attends, je vais déposer mes courriers, tiens. I'll be right over. Vous êtes là, mon chef. What you need? Vous êtes où? Vous êtes là. If you wouldn't mind coughing in your sleeve, sir, I really can't afford to get sick again this month. Mais ferme là. Ça fait deux fois quand même, hein. Ça fait deux fois quand même, hein. Ah non, je crois pas, hein. Never listen to me. Like talking to a goddamn wall. What do you want me to do? I don't want you to work in that mine no more, okay? Would you rather I go back to thieving? I'm providing for my family. Well, you can't provide for us if you ain't got no lungs. And what if it caves in again? Well, I told you 100 times already. Les mineurs. Yeah, sure. And who's gonna change things around here? You? Jameson? He'll work you to death. I've had enough. I'm gonna go put food on the table. Won't you leave me be? Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il est pas bien. Laisse-moi. C'est un malade, lui. Pourquoi il nous attaque comme ça, gratis?
n'importe quoi, le gars. Mais... j'en ai marre. Pas compris, là. J'aurais bien aimé pouvoir discuter avec eux, là. Il y avait un truc. Qu'est-ce qui se passe, ici? Oh, I don't like the look of you. Watch out. Hello, sir. Qu'est-ce qu'ils font, eux, là? Hey there. Hello, mister. Relax, I'm not causing trouble here. You seem full of joys of spring, miss. Thanks. C'est bizarre, hein? Oh my! Positively shocking! I said hell, even a blind hog finds an acorn every once in a while. You want company, boys? Sure, because I want to be pissing needles tomorrow. The fuck? This is down. Go away. Just go away. I'm sorry. I'm really sorry, but I... well... well, you're sorry. Yeah, I heard you. But... I mean... well, this country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it's anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness. Not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Down? Where you think. Down the mine. Until he gets sick. Which won't be long, given how hard they work him. See, Fulman don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go with... well, maybe you could just leave us all alone. Maybe... maybe you could just go fight some other battle. Ah, vraiment une sale trogne, hein, par contre, hein. C'est terrible, hein. La pauvre. Par rapport à quoi, Damier? Le fait qu'il est né juste pour se battre, c'est ça? C'est un peu un guerrier. Hein. Hey, Bard. Ah oui, ouais, les gens déchaînés et tout ça là, ouais. Clairement. Hey boy. Hey boy, your mom's a whore, little boy. Be quiet, Mr. Dockery. Les bâtards. Your mom's a whore, that's a goddamn fact. Hey, anybody want to get lucky tonight? Go home here with... Be quiet, please! Oh, boy, come up. Why don't you shut up? Hey. Oh, all right. Oh. Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Là, là, ce plan-là. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. Ah ouais. Battles, pourquoi il faut que vous niquiez à chaque fois mon chapeau? Vous allez respecter mon chapeau. You're ready for your turn now. You and that just... Allez hop. Now who's next? Let the boy go.
Let him go! Come with me. Shame on you. He's just a goddamn boy! Let's get you out of here. But they're gonna kill me. Now I got no job, and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Juste un petit peu d'argent, hein. Take this. 5000. Try and talk to your mama, and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Mon chapeau, là. Oh là là. Juste devant moi, en plus. Attends, on lui a filé que 35. Tiens, on va aller voir. Votre mine de mort, là. Non, mais... Eh non, mais... Arrête. You stop right now. Hey, stop. Mais arrête-toi. You say anything about this? I'll kill you. I know how to keep my mouth shut. Make me come look. Oh, jeez! I don't think so. Mouth shut. Got it? Ah oui, ouais. Ah, putain. Ah, c'est ok, c'est plus dispo. C'est pas grave, de toute façon on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode. On aura pas trop avancé, mais pas du tout principal, un peu secondaire. On aura fait ce que je voulais faire au niveau des os. Faudra que je vois ce que je peux faire d'autre pour les prochains épisodes. Sinon, bah, on va commencer tout doucement, mais sûrement... à enchaîner les secondaires et finir l'arc de notre Arthur, hein. Terrible. J'ai pas envie, hein, mais bon. On va essayer de tirer la corde le plus possible. Ciao.